Bobby, tu as fini la pizza ou pas? Je l'ai déglingué. Ah ouais? La pizza a été déglinguée par Bobby. Oh là, voilà. Eh oh! C'est bon! On se concentre là! Le journalisme, ça suffit là. Allez, c'est parti. Oh, le mur. Il veut pas se mettre à travers. Du coup, il était obligé de détruire les, voilà, le mur avec un. Ça perd pas une seconde ici. Ah oui, on commence directement avec l'Isrespect. 30 petits pourcents grattés, rien de exceptionnel. Et tu vois, il refait encore une fois le mur et Bobby ne peut pas passer. Il essaie de le faire avec les coups de balle. Ça perd pas une seconde côté Bobby. Bobby n'a pas le temps, il veut. Ah, très bonne idée de la part de Xena qui est sorti du hub B. On se fait pas chier avec. Regarde-toi, Bobby rebondit sur le mur. Et un même bloc a réussi à faire rebondir deux fois Ebonita, c'est incroyable. Le mur lui a bien fait pire. En plus, c'est. Il a des murs, 95%. Et en plus, c'est des murs en terre, c'est les murs les plus fragiles. Ah, on commence à faire les combos, deux fois le même. Il a l'or. L'or. Monseigneur, il est l'or. Est-ce qu'on va la deuxième de repasser et bien jouer à Bobby simplement. Et il a repris une capture d'écran. Ça rafale les captures d'écran un peu tard. L'or est récupéré déjà. Et pas très 10%, autant dire que. Il y a beaucoup d'épées qui suent là. Notre jeu n'est pas très respectueux, on envie de dire. Il y a eu des interactions avec la TNT, avec le down smash. Voilà. On couvre beaucoup de choses. Et voilà, on le prend avec le smash. Et réglé. C'est classique. Pour ma prochaine vidéo. Oui, c'est ça, tu vas pouvoir battre Bobby, c'est ça? 55. Bah, battre Bobby, ça, c'est sans problème. Oui, sans problème, évidemment. On t'attend. Finir top 1, on est gamin. Voilà, ça se rend coup pour coup, hein. 0,4% de différence. Moi, j'aime bien les maths, les chiffres, là. 2 plus 2. Voilà, ça fait 6. Ah, mon dieu, c'est magnifique, il est trop fort. Bon, on parle. Regarde, encore le mur. Ça, par contre, c'est une bonne. Et il le montre, il a compris le T-Bag. Il a peut-être dû faire ça avant que. Bon, se prendre. Se faire camper par les murs, hein, mais. T'as vu la taille du. La taille des foreurs, je sais pas, elle est suffisante pour passer à travers. Et le pire, c'est que c'est pas la première fois qu'il s'affronte. Normalement, il aurait déjà dû s'en souvenir, mais après. On connaît Bobby, il n'a pas forcément la mémoire de. Voilà. Un petit va-et-vient avec le minecart qui a réussi à surprendre Bobby. Et puis c'est un match, un set de surprise. Je pense qu'on n'a pas fini d'en voir des vertes et des pommes. Mais à quoi les t-shirts? Ouais. Et ça fait déjà beaucoup d'argent. Hop! Une jolie conversion. Eh hey, wow, 50% là. Et un forwarder qu'on trouve sur juste un. Oh, bien joué, Xenetral B. Et il a pris 4 captures d'écran. Aïe. Oh, tout s'est fait 6. Small BF, on déballe. Ah, ça demande des balles. Ouais. Bref, et puis il a du mal à contenir son petit sourire de satisfaction. Je pense qu'on sera d'accord de nous-mêmes mettre. Ah, mais ils sont du mauvais côté. Ouais, je pense que ça sera nous de payer. Et si on a tout ça, c'est bon. Sur quelle musique on va cette fois? Tekken. Voilà, Tekken, ça veut la bagarre. Un stick veut la bagarre. C'est vrai qu'il est plus bagarre. Il n'y a pas à dire. Il maîtrise le personnage. Ah oui, hein. Mais pas suffisamment, parce qu'on a plein de surprises et surtout qu'il lui a pas trop laissé le temps de respirer. Hein. Et est-ce que tu penses qu'on peut s'attendre à plus de Forge Smash en cas de camp de la part de XY de Bayonetta? Non, je pense pas, parce que c'est relativement prévisible. Enfin, Forge Smash là, il a oui, mais après, une surprise en grâce à même ça. Si les murs protègent XY de Bayonetta, bah, si Bayonetta fait un Forge Smash, le temps que XY refasse le tour des murs. Je pense qu'il a le temps de se partir avec le dague. C'est plutôt safe, je pense, ouais. Mais évidemment, c'est vrai que le. La validation des sujets, j'ai aucune idée de ce que c'est Abyss of. Abyss. Abyss. Abyss of the Abyss. Ça va marquer où? Non, mais il a choisi la musique. Ah, ok, ouais. Bon, il en a pas besoin, il joue sans son, sans rien. Il joue nature. Ouais. Lui, c'est du vanilla. T'as encore un mur, tu vois. Ouais, oui. Le joli mur, le. Ah, du coup, là, XY c'était éloigné, du coup, il pouvait pas faire smash. Mais il en a que faire d'une main aussi, donc il fait le tour. Bayonetta, c'est un hélicoptère. Oh. Le mash. Oh, le non. Mais c'est Bayonetta, on a pas peur. On remonte tranquillement, oui. On te met la petite taxe.
quand tu utilises les jump cancel, ça, ça marche bien. C'était vicieux ça, ça c'était petit de la part. Ah, tu vois. Il y a bien bait avec un bloc off stage, l'un down tout, tu perds sa vie. Ah, tu vois que derrière son mur, X-Rack a fait plusieurs fois son shield parce qu'il pensait que Bopi allait se lancer avec un fire smash. Et du coup, ce qu'il s'est pas fait. Ce qu'il a pas fait. Sur le match-up, hein, bah oui. Il le laisse. Il s'adapte. Bopi a tellement joué qu'il il arrive à s'adapter très rapidement. Il s'adapte, mais il a quand même. Il a pas le lead. Hein. X-Rack qui se laisse pas démonter. Tu vois, X-Rack, il est en train de lâcher des shields parce qu'il a peur du fire smash. Il sait que ça passe à travers et du coup, il fait très attention. Oh putain, on peut se réaccélérer sur les rushs, je pense. Si, si, quand tu appuies sur forward dans la direction oui, où tu vas. Je veux dire, il est passé sur. Tu sais, les rails en or. Oui, oui, justement. Et... Quand tu, pour accélérer en or, tu appuies sur forward dans la direction à laquelle tu vas. Et voilà. Tu vas à droite, tu appuies sur la droite et tu accélères. Avec autant de pourcents grattés, le forward smash ça tue. Voilà, c'est les pourcents préférés d'un bon Steve. Ah, ça oh, ça a été bien tenté là, d'un smash. Et... le smash de nature qui a été trouvé. Bon, je dis nature, mais il a sûrement vu bien des choses que moi je n'ai même pas conscience. Voilà, il y a du bien. Oh, forward smash. 60%, ça va vite, hein, ça va vite. Là, on est déjà à 10%. On est au diamant, les backers, les forward smash, ça fait très mal. Les minecarts qui sont extrêmement utilisés mais extrêmement efficaces hein. C'est des bons minecarts qui sont utilisés. Je pense qu'il y aurait un up smash qui se perd du côté d'XY, ça aurait pu tuer déjà je pense. Forward smash, allez ça tue. Smash quand on a une épée en diamant. Eh oui, best épée du monde. J'aimerais bien avoir une épée en diamant en vrai dans la vraie vie. Il le renvoie côté des stages. Encore un mur. On récupère des matériaux, là on a suffisamment de métal, on là, a 5 morceaux. Il y a un tel lead. On a besoin de le tuer, mais là, oh aïe aïe. Bon, ça nous envoie dans tous les sens, mais bon, il garde son Warbear. Heureusement, ouais, il aurait fallu aller. Oui, non, il fallait monter déjà un peu plus, parce que du coup. Mais regarde, ce que je te disais, des backers au diamant, ça fait un mal de chien. Ah, la pioche au diamant a perdu sa durabilité, du coup il en a plus, mais non, il s'est fait avoir simplement à faire l'air. Parce qu'il en a 60. Enfin, smash, pardon. Ah bah. Oh non, y a eu la SD, c'était malheureux. C'est vrai qu'il rigole. Fois, Bopi, on a vu Bayo avec de la rage, ça peut faire des folies. Ah. Exactement. Effectivement, oui. Bloom Forever. Oui, mais. Oui, il fait référence à Bloom Forever qui évidemment est battu. Il a sa tue. Et oui. C'était remarquable. Le respect de Bopi. Ça fait des frissons, ça. Blood Forever, pardon, excusez-moi. Il a mis Bayou avec de la rage. C'est lui qui a mis Kamikaze, hein, il a mis.